Bonjour, bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter ce prototype d'immeuble-là qui va vous inspirer, vous également, si vous avez envie de réaliser des projets en Afrique, ça doit vous inspirer. Vous allez voir tout de suite ici qu'il y a trois portes. Une porte, une deuxième porte et une troisième porte. Ça sert à quoi tout ça là? Ça va vous inspirer parce que celui qui a construit, qui est le propriétaire de cet immeuble-là, m'a contacté parce qu'il a vu que j'ai réalisé un autre immeuble et il a aimé le concept. Et il m'a fait reprendre ça ici. Et je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo. Ça va vraiment vous inspirer. Voilà pourquoi vous devez partager massivement cette vidéo. Alors, pour ceux qui viennent de me découvrir, moi, mon nom, c'est Justin Mortaudet. J'ai une formation d'architecte. Donc, je suis architecte, mais je suis également entrepreneur et investisseur. Et sur cette chaîne, je partage beaucoup, beaucoup d'astuces, de l'immobilier, de l'investissement et de pas mal de choses. Et nous organisons également des formations pour des personnes qui veulent se former. Donc, le 15 août, on démarre notre prochaine session de formation sur comment devenir un entrepreneur en bâtiment. Vous n'êtes pas obligé de faire des études de bâtiment avant de rejoindre ces programmes-là. La plupart de personnes qui sont dans ces programmes-là ont fait d'autres études, mais ils ont tout simplement compris que dans le domaine du bâtiment, c'est un domaine où il y a beaucoup d'argent. Donc, ils sont venus se former et ils commencent à recruter parce que, en fait, un entrepreneur en bâtiment, ce n'est pas forcément un architecte ou un ingénieur, pas du tout. Il suffit juste de comprendre le bâtiment, comment ça fonctionne, comprendre un peu le management, comprendre un peu les outils et de former des équipes, aller construire et gagner de l'argent avec. Donc, le 15 août, on va commencer. Donc, si vous voulez rejoindre ces programmes de formation, on met toutes les informations ici. On va revenir ici où je vais vous expliquer concrètement dans les détails comment ça. Alors, avant de vous expliquer ça, pour ceux qui ont suivi, hein, parce que quand on était en chantier ici, j'ai publié des vidéos. Des vidéos que j'avais publiées un peu. Donc, vous voyez que tout est respecté ici. Donc là, vous vous en doutez déjà, ça, c'est la partie garage. Cette porte-là, c'est le côté garage. En fait, ici, c'est le garage. C'est deux voitures qui sont mises ici en enfilade. Je vais vous expliquer. Alors, pour ceux qui ont suivi ces chantiers, bout à bout, ici, c'est deux voitures en enfilade qui sont mises ici pour le propriétaire. Donc, le propriétaire va garer deux voitures en enfilade ici. Et bon, pour tous ceux qui ont suivi également, là, c'était la partie qui reçoit les... Donc, tout à l'égout est ici. Donc, il y a le tout à l'égout qui est... Le couvercle va être posé ici. Il y a un autre ici. Donc, il y en a deux. Il y en a deux qui sont là, donc, à la porte. Et on entre par ici. Alors, pourquoi ici, les deux voitures sont pour le propriétaire uniquement? Au Sénégal, il n'y a pas trop les cas de vol là. Et pour ceux qui vivent à Dakar, ils savent que, par exemple, notre voisin qui est là, il vit là, il n'a pas de parking, il n'a pas de garage, il garde la voiture dehors. Voilà. Donc ça, c'est notre voisin. Il garde dehors, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a pas de problème de vol. Où on va... Moi, quand j'étais au Cameroun, j'étais à Douala, les gars, je voulais mettre la voiture dehors. Non, Justin, bon, si tu laisses la voiture dehors, que les roues peuvent sauter, on peut venir enlever les rétroviseurs. Mais ici, les voitures sont garées dehors. Lui-même, il a deux voitures, ces deux voitures sont garées dehors. Mais ici, nous, en fait, ce client-là, comme il est aux États-Unis, dans sa mentalité, dans sa tête, il veut garer dedans. Donc, il a insisté pour qu'on lui mette deux places de parking ici. Et ici, en fait, ce qui est très intéressant, je vais vous montrer ici maintenant. Avant de vous montrer ici, parce que c'est peut-être là la surprise, ici, vous allez voir, alors on a fait un peu de la végétation, vous allez voir un peu de la verdure. Donc ça, c'est pour un peu verdurer la façade. Mais ici, ça, c'est l'entrée chez le propriétaire. Donc le propriétaire, il garde ses voitures dedans, il ferme ses voitures de l'autre côté et il va sortir de dedans là-bas. Donc quand il va entrer ici, il va sortir de l'autre côté. Et ça, c'est lui. Mais les gens qui viennent chez lui, alors vous entrez tout simplement par ici. Donc on entre ici. Il y a, quand tu viens ici, il y a tous ces... C'est pour cela que je vous disais qu'il y a des travaux. Donc, tu vas venir sonner ici et il y a une caméra avec une sonnerie. Donc, tu sonnes ici, on te voit de dedans. Tout ça,
C'est les petits, les derniers travaux qui restent. Donc, tu sonnes ici et puis voilà. Il y a une caméra ici qui va directement. Au moment de sonner, on te voit déjà dedans. C'est comme ça, ça va fonctionner. Donc, on va t'ouvrir tout simplement ici. Et l'ouverture également sera automatisée. Donc, on peut directement de dedans là-bas actionner et ouvrir. Et puis, tu voilà, si on ne veut pas, tu vas sonner 10 000 fois. Tu ne vas pas entrer. Là-bas, si tu sonnes, on actionne de dedans là-bas, ça ouvre et puis tu entres sans que la personne vienne ouvrir et puis te demander qui tu es. Dès dedans là-bas, on peut te voir directement. Donc, tout est calibré ici. Donc, on entre ici, vous voyez, ça, on entre ici et puis on a une petite courette ici. Parce que le tout, en fait, je vais vous donner les chiffres après, hein, je vous donne les chiffres. Il y a une petite courette après. Donc, c'est le salon qui se trouve ici qui va donner. Donc, ici, le client, on est en train de commander des pots de fleurs. Donc, ce sont des pots de fleurs qu'on va un peu mettre ici avec... C'est une terrasse, en fait, avec deux, trois chaises, ainsi de suite. Et ici, en fait, là, maintenant, on entre dedans. Ici, on entre chez le propriétaire. Donc, là, vous voyez, porte à bascule. Il suffit de pousser. Donc, vous voyez, ça bascule, en fait. Ça bascule. Voilà. C'est une porte à bascule. Vous voyez qu'on est encore en travaux. Quand on va finir, je vous ferai visiter également tous les détails lorsque tout sera mis. Voilà. Même quand le propriétaire viendra habiter ici, je referai des vidéos pour que vous voyez la décoration finale, les lumières qui sont mises, tout ça là, c'est en travaux. On a commencé même à mettre tous les boutons, les contacts. Donc, on va s'arrêter ici, par exemple là, porte à bascule. Et on va ressortir. On va ressortir. Pour que vous voyez maintenant, donc ici c'est le propriétaire qui entre chez lui. Le propriétaire il va entrer par ici. Et de ce côté, alors c'est là la surprise. Le propriétaire, si vous vous souvenez bien, le propriétaire, il peut garer la voiture ici et entrer là-bas. Il peut, dès qu'il se gare, il n'est pas obligé de ressortir ici pour entrer là-bas. Il peut entrer directement de là-bas. Mais ici, en fait, si vous voyez l'immeuble, ça fait trois étages. Regardez d'abord l'immeuble. On va voir un peu l'immeuble. Ça fait trois étages. Mais le propriétaire, il ne vit pas sur les trois étages. Et c'est là l'astuce vient. Le propriétaire, comme il ne vit pas sur les trois étages, voilà pourquoi ici, c'est les locataires. Ça, c'est l'entrée maintenant des locataires. C'est sur le même immeuble. Les locataires, ils entrent. Donc, voici une petite cour des locataires. Mais l'objectif ici, c'est le gardien. Donc, on entre ici. Pour les locataires, on a un gardien. Donc, il y a la loge gardien qui est juste derrière ici. Donc, on va fermer. Ça, c'est... Le gardien loge, le gardien va rester ici. Et les locataires, ils vont entrer par ici et ils vont prendre l'escalier. Voilà, les locataires, ils prennent l'escalier ici. Et les locataires vont chez eux tranquillement. Ils passent même pas, les locataires ne vont même pas passer chez le propriétaire. Donc, ils prennent leur escalier tranquillement et ils montent jusqu'à chez eux. Alors, ce qui est intéressant, le locataire, quand il va prendre l'escalier ici, il va aller directement au deuxième étage parce que le propriétaire vit sur le premier étage et le rez-de-chaussée. Donc, le rez-de-chaussée et le premier étage appartiennent au propriétaire. Voilà un peu une conception qu'on a fait et qui a tellement intéressé. En fait, les gens ne comprennent pas que lorsqu'ils ont un terrain, ils peuvent agencer plusieurs choses sur le même terrain. Et ça, nous l'avons fait ici, mais ce n'est pas la première qu'on fait ici. On en avait déjà fait ailleurs et quand il est tombé sur ça, il a voulu qu'on le reproduise ça ici. Donc, voilà un peu, je ne vais pas fermer, je vais laisser comme ça. Voilà un peu cet immeuble-là qu'on a conçu. Ça, c'est au niveau des accès. Dans une prochaine vidéo, pour ne pas que la vidéo soit longue, je vais vous faire visiter un appartement des locataires parce que pour les propriétaires il y a encore des travaux parce que avec le propriétaire il y a la domotique, il y a tout ce qui est acoustique, il y a comme le propriétaire, c'est le propriétaire, donc on est en train de gérer quelque chose, certaines choses qui sont vraiment encore, donc voilà pourquoi on n'a pas fini totalement, mais on va monter chez en haut là-bas dans une prochaine vidéo, ça va pas être cette vidéo pour ne pas que ça soit long, dans une prochaine vidéo on va aller carrément dans l'immeuble, dans l'appartement des locataires et vous allez comprendre maintenant c'est quoi. Donc les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et portez-vous bien. On va se dire à très très bientôt. Peut-être une dernière information que je n'avais pas donnée. La surface en fait, cette surface ça fait 225 mètres carrés. Mais peut-être ça, je vais vous donner les détails, combien ça a coûté, tout ça là, je vous donne dans les prochaines vidéos pour ne pas que la vidéo soit longue.
les surfaces, les nombres d'appartements et toutes les informations qui vont avec. Je vous donne ça dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.